Bonjour et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo Piano Louange. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, leçon un peu particulière puisqu'il s'agit aujourd'hui du praise break. Alors, qu'est-ce que le praise break? Vidéo maintenant. Voilà, donc vous pouvez voir que le praise break est quelque chose de très inspiré, mais surtout très technique. Donc voilà. Donc nous allons apprendre un praise break que je vais vous donner, moi, sur Piano Louange. Quelque chose de ce que j'ai trouvé le plus facile, en tout cas, personnellement. Mais ce n'est pas pour autant quelque chose de simple. Hein, donc pour les pianistes débutants, je vous conseille plutôt une autre vidéo. Après, si vous avez le courage d'affronter, eh bien, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, le chant que nous allons apprendre, il faut savoir qu'il y a un chant qui s'allie très bien avec le praise break, c'est When I Think About Jesus, qui se traduit en français par Quand je pense à Jésus en clair. Voici une autre vidéo qui montre bien le chant et après on attaque tout de suite la leçon. When I think about Jesus, what he's done for me. When I think about Jesus. C'est un très beau chant, hein, très dynamique et très puissant. When I think about Jesus, donc la traduction est quand je pense à Jésus. Donc voilà. Comme on va commencer la leçon pour le praise break, pour les pianistes débutants, bon, je leur déconseille par exemple, de commencer par ce genre de vidéo. Parce que bon, c'est une vidéo relativement technique, en tout cas beaucoup plus technique que les vidéos habituelles que je fais sur Piano Louange. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur notre vidéo. Maintenant, si vous voulez vous tester et tenter un peu le praise break pour voir vos capacités, vous êtes les bienvenus, allez-y, hein. Ça peut être que du positif pour vous. Donc c'est très très bien aussi, quoi. Et vous pouvez même vous surprendre à y arriver à la perfection. Et ça c'est super. Donc voilà. Maintenant, pour donc le praise break. Parce que là, la dernière vidéo que j'ai montrée sur le chant, vous allez me dire que c'est plutôt du jazz. Et c'est pas comme la première vidéo. En fait, le praise break, j'ai bien étudié un peu le sujet. Et quand vous ralentissez un praise break, eh bien, c'est du jazz, hein. C'est clairement du jazz gospel, en clair, on va dire. Donc voilà. Si je vous fais ça. Donc ça, c'est le praise break qu'on va apprendre. J'introduis par ça. Jazz, clairement. Mais maintenant, si je fais quand je pense à Jésus, à son amour pour moi, quand je pense à Jésus, à ce qu'il a fait pour moi, je danse, 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 danse pour lui. Là, c'est praise break. Vous êtes d'accord? Donc c'est ça, en fait, c'est ça qu'on va apprendre. Au début, ça va être clairement un cours de jazz, et après, ça va se transformer avec l'expérience et avec la rapidité en praise break. Donc on va allier le chant quand je pense à Jésus et on va l'allier avec un mode praise break. Donc on commence. Donc le praise break. Le praise break commence toujours avec une basse. Basse jouée avec la main gauche.
ça c'est le praise break que je vais vous apprendre, qui est différent encore de la première vidéo. Donc on commence par sol, si, do, do dièse, ré, mi, fa, fa dièse, sol. Sauf que pour pouvoir le jouer indéfiniment, eh bien vous commencez donc la basse, mais au lieu de reprendre en sol, eh bien vous reprenez en si. Et ça donne ça. Jusqu'à autant que vous voulez. Donc ça c'était pour la main gauche. Entraînez-vous bien. Voilà, maintenant on passe à la main droite. Donc. Alors, accord de base. Donc. En basse, on a le sol, et avec la main droite, sol, ré, fa. Sauf que on n'appuie pas directement. Avant de faire l'accord, on frôle le do dièse, ce qui donne. D'accord, donc il y a une différence entre ça et ça. D'accord, on frôle. Le do dièse. Donc, pourquoi j'ai dit que le praise break, enfin ce praise break, parce qu'il y a des praise breaks qui sont quand même un peu plus compliqués, mais pourquoi je dis que ce praise break est relativement simple? Parce que quand vous regardez bien, il n'y a pas des accords à faire en veux-tu en voilà. C'est tout simplement, vous avez votre pouce sur le sol, les deux autres doigts sur Ré et Fa, et vous avez juste à descendre les doigts et les remonter. Ça veut dire qu'on passe, tout en ayant notre pouce sur Sol, on passe de Ré Fa à Do Mi et Si Ré. Donc, et on appuie à chaque fois sur le Sol. Donc voilà ce que donne la main droite. Et quand on la lit bien sûr avec la main gauche, hein, c'est toujours ça le principe d'une musique. Donc voilà, maintenant on va la faire en version quand je pense à Jésus. Donc, je vous la chante. Quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Je danse, 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 danse pour lui. Et là, là c'est praise break. Là on est bien d'accord que là il n'y a aucune aucun rapport avec le jazz. Il y en a un, mais c'est un praise break. Donc, on y va. Donc, quand je pense à Jésus, accord de base qu'on avait vu, hein, donc en basse, sol, et en main droite, sol, ré, fa. Quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Quand je pense à
Jésus, et son amour pour moi, je danse, 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 danse pour lui. Donc, on apprend maintenant, c'est parti. Quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Donc, là c'est un Do majeur. Bon, je vais arrêter de dire les accords, je dis juste les notes. Donc, en basse, on a Do. Et en main droite, Do, Mi, Sol. Donc là, c'est l'accord de transition. En basse, donc, on a un La dièse. Ok. Avec la main droite, on a aussi un La dièse, un Ré, un Fa. Et l'accord de base encore qui revient. Quand je pense à Jésus, à ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Je danse, 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 danse. Donc là, c'est en basse, Fa, et main droite, Fa, La, Do. Fa majeur, quoi. Je danse, 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 danse pour lui. Donc, vous avez aussi cette possibilité. Hein. Et là, vous touchez donc le La dièse et vous le frôlez pour en venir à Si. Et ça que donne ça. Donc, quand je pense à Jésus, à son amour pour moi. Quand je pense à Jésus, à ce qu'il a fait pour moi. Je danse, 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 danse pour lui. Et là, vous continuez, et ça donne parfaitement un press break. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez même des anecdotes à nous faire partager sur le press break, des expériences ou autres, bah, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. J'ai vu qu'un certain nombre commence à s'abonner et c'est très bien. C'est même très encourageant pour le travail que je fais. Et donc voilà, si vous avez quoi que ce soit, un petit souci au niveau de la vidéo, il y a des choses qui sont un peu mal expliquées. Toute critique est bonne à recevoir, donc voilà. Que ce soit encouragement ou critique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à travailler, hein, c'est la basse. Et la main droite. Voilà. Donc, et ben en attendant, portez-vous bien.